Nous avons eu l'occasion de visiter la centrale nucléaire de Tihange en Belgique lors d'un arrêt de tranche. Elle est composée en fait de 3 réacteurs. On a 2 réacteurs qui vont être démantelés prochainement et un dont on va prolonger la durée de vie. Tractebel Belgique travaille en étroite collaboration avec l'opérateur Engie Electrabel. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a eu l'opportunité d'être au plus proche du projet, de voir les différents projets sur lesquels travaille Tractebel, notamment les projets de démantèlement ou encore des projets de mise à niveau pendant les arrêts de tranche par exemple. En tant qu'ingénieur projet, on est souvent dans les bureaux. Et là, ça peut nous permettre en fait d'aller sur le terrain et de voir en fait concrètement les modifications qu'on déploiera en fait dans le cadre de notre travail de tous les jours. Il y a plusieurs facteurs qui m'ont motivé à faire cette visite, mais le fait de pouvoir découvrir une centrale à l'international, donc en Belgique, c'est quand même un plus parce que ça permet aussi pour nous de voir les différences entre les centrales françaises et les centrales à l'international. C'est ma première visite en centrale et mon objectif en allant sur Tihange, c'était de me rendre compte de la réalité, la complexité des installations nucléaires et tout simplement aussi pour découvrir comment ça peut se passer au quotidien en centrale. Lors de cette visite, nous avons pu voir différents bâtiments de la centrale. On a notamment vu la salle des machines, le centre de formation où on a une réplique de la salle de commande et on a aussi pu aller jusque dans le bâtiment réacteur. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de voir en fait un rechargement de réacteurs, ce qui est quand même une chose unique. Et ouais, ça restera gravé dans ma mémoire. Oui. Sur Marseille, on travaille sur les projets du grand carénage, qui est un projet de modernisation des centrales. Et personnellement, j'ai eu l'occasion de rencontrer un de mes collègues sur la Belgique, qui a déjà implémenté des modifications que je suis en cours de préparation. Et avoir son retour d'expérience a été très bénéfique pour moi dans mon quotidien aujourd'hui. La visite nous a permis d'avoir un aperçu global de la centrale nucléaire ainsi que des activités qui s'y déroulent. Et tout ceci grâce à l'accompagnement de nos collègues belges qui nous ont partagé leur expérience et qui ont répondu à toutes nos questions. Ce que j'aime bien chez Tractebel, c'est qu'il y a une diversité des profils. On a des personnes qui sont jeunes et des personnes expérimentées. C'est une équipe qui est dynamique et motivée et ça, c'est très appréciable pour avoir une bonne ambiance de vie au travail. Tractebel a une haute expertise dans le domaine du nucléaire et en tant qu'ingénieur nucléaire, à travers Tractebel, on peut avoir l'opportunité d'avoir plusieurs formations et beaucoup plus d'opportunités d'évolution. Tractebel, en tant qu'employeur, permet aux nouveaux arrivants de travailler sur des projets très innovants, mais aussi de participer à des projets qui permettent d'atteindre la neutralité carbone et pour moi, ça a été un point très attrayant à l'époque.